뜻으로 저는 지었는데 뭐 다른 분들이나 뭐 잘하고 불러주시더라고 해서 포기했어요. Et comme à chaque Worlds, il y a un énorme fan club chinois qui vient bien suivre ses équipes préférées à chaque fois, même à Paris hein, l'année dernière, ils avaient trois rangs entiers, ils hurlaient avec des pancartes, des panneaux, ils sont ultra chauds comme public. Et donc oui, dernière game de la soirée, Samsung contre les Royal Never Give Up, un très 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 gros match avec Royal Never Give Up peut-être une des équipes qui a montré le plus de bonnes choses. Royal Never Give Up et SKT, c'est peut-être pour l'instant les deux équipes qui font le plus peur après ces trois premières soirées. Ouais, tout à fait. Les RNG qui ont montré que la ligue chinoise pouvait s'appuyer sur l'international et avoir une grosse puissance. On a été désemparés quand on a vu Edward Gaming tomber sur les Brésiliens, mais les RNG, eux, n'ont pas failli à leur réputation avec leurs talentueux joueurs Uzi, Mata, Shao sur la mid lane, MLIG, le nouveau jungler chinois, on va dire, qui est arrivé ce split-là, et Looper, le coréen sur la top lane, qui fera face à un autre coréen, QV. C'est ça, on a remplacé Vress, on a fait rentrer CoreGG, moi j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait rentrer Vress, c'est-à-dire qu'avec CoreGG, Samsung a fait des excellentissimes gauntlets, parce que bon en playoff ils sont mangés 3-0 par Katie Rolster, mais ils ont fait un excellentissime gauntlet. Et là on arrive au Worlds et c'est Vress, bon alors c'est les secrets des scrims, hein, on sait pas ce qui s'est passé pendant ce trou de 2-3 semaines, mais Vress ça n'a pas marché. Hier les Samsung ont offert la pire prestation que j'ai pu voir pendant 2 mois, c'est-à-dire avec un Crown pas dans sa game, Ambition pas dans sa game, et quand Crown et Ambition qui ont une synergie monstrueuse n'arrivent pas à jouer, c'est tout Samsung qui s'effondre. Rouleur était pas dedans, enfin bref. Ok, la game d'hier de Samsung, on l'oublie, c'était vraiment, ça arrive. Et maintenant je veux voir des Samsung monstrueux parce que en face, Royal Never Give Up, c'est monstrueux. Ouais, tout à fait, ils vont jouer, je pense, toujours leur playstyle assez agressif, le snowball, pas de temps mort. L'objectif de ces équipes chinoises, c'est de ne laisser aucun temps mort et surtout asphyxier les équipes adverses. Ça a bien marché à 2 reprises puisque les RNG se sont hissés à la première place virtuelle puisqu'ils ont battu TSM et les Splice. S'ils remportent le match face à Samsung, eh bien c'est le 3-0 et c'est la clean sheet. On arrive sur un perfect sur la première journée, sur le premier semaine. Mais ça fait pas du bien. Non. Ça fait pas du bien. Samsung, ils auraient bien besoin d'accrocher cette victoire parce que le groupe est très très relevé avec des TSM qui sont chauds, pas imprenables, mais très chauds. Ouais, tout à fait. On a pu le voir dans ce match où ils ont remonté. Ils sont remontés face au Splice. Et là, c'est vrai que alors, du côté RNG, on a pu voir. Je pense qu'il y aura encore un ban sur la Syndra parce que Shao la maîtrise. Crown, je pense qu'il serait capable également de la sortir. Oui. Uzi a joué des Ezreal de haute qualité avec un Mata qui a joué Alistar sur la première game et Nami sur la deuxième game où il avait été plus que performant. La botlane Uzi Mata pour l'instant n'a pas rencontré d'opposition. Non, mais on sait que c'est une duo lane d'excellence. Après, Uzi c'est un AD carry généralement qui demande pas mal de ressources. On le voit en général, on lui donne et sa botlane et souvent il se prend même la mid lane. Enfin, tout le farm est récupéré. C'est l'AD carry en tout cas pendant la saison régulière qui était deuxième derrière Mash. Parce exact. Que bon, Mash a besoin des golds. Tout à fait. En termes de gold share pour son équipe. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises sur Uzi. Mais quand il marche, ben forcément, ça fait le travail avec un Mata. Parce que c'est surtout ça, un Royal Never Give Up. C'est l'idée par un Mata avec une forme olympique. Ouais, tout à fait. Et après, c'est vrai que, comme tu disais, Uzi a besoin de beaucoup de ressources. Et parfois, c'est Looper qui en bénéficie moins dans ces cas-là. Il se met en retrait pour son équipe. Shao, lui, a du mal à laisser du farm à Uzi. Lui, il va plutôt essayer de cumuler un maximum de farm pour pouvoir tenir sur sa lane. On l'a vu face à Bjergsen. Eh bien, ça a plutôt été en faveur du joueur chinois. Et cette line-up, effectivement... On le disait, il est composé avec deux Coréens, Looper sur la top lane et Mata, l'overmind tacticien de cette bot lane. C'est l'overmind coréen, le tacticien des tacticiens. On est rentré dans cette phase de draft avec Royal Never Give Up en blue side, Samsung en red side, le Victor de Crown. Et on répond avec le Lee Sin de MLXG, un Lee Sin qui a été très présent dans ce début des Worlds et qui pour l'instant officie un ban. Là, Elise, 12 bans dans les deux premières journées, qui reprend sa place dans la phase de ban justement. Alors, est-ce que Samsung
peut prendre le risque de laisser Nidda ouverte que MNXG sait jouer, sachant que c'est le main d'Ambition, il est monstrueux avec, et que ce serait suicidaire pour Royal Never Give Up de le laisser. Donc c'est soit du ban, soit un first pick pour Royal Never Give Up. Ouais, je pense que les Royal Never Give Up ont plutôt intérêt justement à essayer de le récupérer, à obliger les Samsung à le ban, et dans ces cas-là, ils pourraient officier sur le ban de cette... Alors soit de la Rek'Sai, comme ça on supprime un jungler supplémentaire. Là, les Samsung sont soit obligés de ban Nidalee, soit avoir une compo déjà préparée contre cette Nidalee. Et le S de Udi, voilà. On sait pas le gérer. Nidda first pick, Nidda lock, deuxième Nidda de cette compétition. La première a été jouée par les wildcards Albus, Nox, Luna. Tout à fait. Et ils ont vaincu. Et oui, c'était en début de nuit, en début de soirée, les Albus Nox qui se sont imposés face au CLJ. Et effectivement, tu le disais, c'était la première Nidda des Worlds après 100% de présence. C'est le seul pick à 100% de présence. Ouais, tout à fait. Après les nombreux bans. Donc 98% de bans. voilà. Et la réponse du côté Samsung, ça va être cette bot lane qu'on met en place, ou au moins en tout cas avec un flex pick Karma, puisque Crown l'a déjà joué sur cette mid lane, et ce sera Curry qui a lock le pick de rouleur, le on sait Jin. Pas encore si c'est Crown, c'est un flex pick. Tout à fait. Mais les Samsung, s'il y a bien. C'est une équipe opportuniste, et s'il y a bien un style de jeu avec lequel ils sont très très à l'aise actuellement, c'est le pick-up. Donc rouleur excellent sur un Jin. Moi j'aimerais bien voir Kordjiji s'il a pas une Karma sur un Bard par exemple, QV sur son Kennen, bref, une compo qu'ils savent jouer, qu'ils maîtrisent à la perfection. Ambition, alors le problème c'est que là on lui a pas laissé ses picks de cœur. Après, Ambition sur un Skarner. Ouais, quoique, parce que Skarner contre RNG, faut le tenir. Ouais, et les RNG qui ont très régulièrement pris en phase 2 le mid laner de Shaohu, parce que on veut se laisser en troisième phase. Souvent le pick pour la Dekari Uzi. Et Mata qui prendra qu'à la fin son pick. Et on le voit du côté des Samsung, Crown et Ruler qui ont lock le Ryze et le Skarner. Une capacité de lock et de déplacement. Il est là le pick-up. Hein. Là le pick-up est réel. La compo pick-up, les stéroïdes de vitesse, l'ulti de Crown et RNG. Voilà, on aime appuyer sur Uzi encore et encore. On lui donne peut-être une des meilleures duo lane du jeu. Caitlyn, Nami avec du POC. Ok, Royal Never Give Up envoie le message. Tu ne me touchera pas. Ouais, du POC et du disengage avec la gate, avec la Nami pour pouvoir mettre un tsunami. La Nidalee qui devrait être assez safe. Et effectivement, Uzi, on va essayer de le faire tenir le maximum de temps avec cette Cassio. Attention par contre, du côté RNG, on n'est pas parti sur des tanks. Il va falloir avancer très vite, mais c'est une capacité de l'équipe chinoise justement. Chaîne. Ah là, c'est sûr que ce serait très compliqué de faire tomber cette équipe Samsung avec un tank, avec son Stan United. Et ce sera Kennen pour QV. Hein, voilà. Le joueur est excellent avec Kennen. Il va pouvoir tenir son match-up contre Jace. La compo Samsung est intéressante. Faut pas se manquer. Parce qu'en mid-game, tu te plantes avec un Skarner, avec un Ryze, ça peut être très très compliqué. Après, normalement, en mid-game, c'est les rois. Hein. C'est les rois Samsung, ils ont un bulldozer. Là, il va falloir scale un peu sur Cassio et sur Caitlyn. Ouais, deux compositions assez différentes. On a quand même une grosse POC composition du côté RNG. À voir encore comment Looper va le build, parce que on a vu des Jace qui minimisaient leur POC pour maximiser les dégâts en tant que bruiseur, essayer de prendre les tours rapidement. Là, je vois pas ça. Alors, même si on a une composition pick-up, on a plus une composition POC que pick-up, avec beaucoup de range, avec des phases qui peuvent s'éterniser. Donc effectivement, je vois bien une larme de la DS. Là où dans les autres compositions, c'était vraiment, vous voulez un burst et un pick-up. Là, on veut plus du POC. Et c'est le second Ryze qu'on va voir qui va apparaître après le Ryze de Baemi, qui n'est pas passé face à Faker et ses alliés du SKT. Est-ce qu'il va être capable de l'amener justement vers la victoire? C'est première victoire pour ce Ryze. Très ambitieux, hein, la compo contre, ouais, SKT. Tout à fait. Très ambitieux, et puis un manque de réalisme. C'est-à-dire, on se donne pas les moyens de prendre des lanes qui sont capables de surprendre ou d'essayer de gagner, là où on sait que SKT va forcément sécuriser le jeu. Et ça, c'est ils se sont pris au jeu, justement, les SKT. Ils ont fait une game quasiment parfaite, hein, en ne laissant que 3 kills, 0 tour, et ils ont déroulé sur cette partie. Est-ce qu'il en sera de même pour leurs compagnons des Samsung Galaxy? Eh bien, il va falloir faire très attention à leur league game, parce que les Royals, dès la 4ème minute, c'est ils sont capables. C'est une des meilleures équipes pour Snowball, ouais, c'est l'équipe la plus agressive. Voilà, en Chine, ils sont bien améliorés, parce que depuis, on va dire, les régionales, les playoffs, on a vu, alors ils n'ont pas joué régionales, parce qu'ils sont qualifiés au point,
Mais on a vu les Never Give Up, certes extrêmement forts dans les teamfights, dans la prise de kill, mais ils avaient beaucoup de mal à enchaîner sur des objectifs. Et ils ont vraiment bien bossé, mais on avait vu les interviews où ils disaient qu'ils étaient arrivés en Corée, c'était catastrophique, et qu'à la fin de leur bootcamp, ça allait bien mieux. Et effectivement, leur travail porte ses fruits là dans ces Worlds. Ouais, Mata le disait en interview. Attention par contre, j'ai justement de lui qu'on parle. Mata disait que s'il est dans un bon jour, aucune équipe ne peut résister au RNG. Encore faut-il justement que ce jour soit présent. Cette fin de troisième journée des Worlds, eh bien, nous réserve une belle dernière partie, Noah. On va pouvoir prendre la phase AN. Bon, alors Caitlyn, Nami, c'est la sécurité absolue. On sait que Uzi est très très chaud. Donc Crooler et CoreGG, de la temporisation, jouer safe, ne pas prendre de risques et laisser tranquillement Ambition scale sur son Skarner et arriver. Ils veulent arriver, les Samsung, à 20-25 minutes de jeu sans problème. S'ils arrivent à le faire, ils auront de grosses conditions de victoire, mais il va falloir y arriver. Après les Samsung, voilà, ils sont très très forts pour lock une partie, pour verrouiller et jouer très défensif. Ouais, c'est ça, il va falloir être vraiment attentif et avoir, je pense, un warding irréprochable du côté Samsung, parce que c'est un moyen de contrer facilement une compo POC, c'est-à-dire de savoir d'où vient ce POC, surtout un POC de Jace ou de Nidalee. Si on a la vision, eh bien on peut préparer la phase de POC et la réduire à néant. Faut aller voir très deep en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord dans un premier temps essayer de un peu push les lanes et après aller prendre de la vision loin au niveau de la jungle. Ça va pas être évident tout de suite. Hein. C'est Nida, c'est dans les mains de MLXG. J'attends de lui qu'il aille agresser, qu'il a essayé d'embêter un petit peu Ambition. Ouais, et du côté de Ambition, j'ai hâte de voir sur quel stuff de jungler il va partir. On en a vu dans les mains de Svenskeren, c'était plutôt parti à base de Warrior au niveau de son item de jungler. Là, est-ce que ce serait pas mieux de prendre quelque chose d'un peu plus tanky et surtout d'avoir l'item à ward de jungler, ce qui permettrait rapidement de setup de la vision pour cette équipe Samsung et de bloquer les agressions possibles des RNG dans les premières minutes. Oh, la bonne réponse là du côté Samsung sur cette bot lane, mais Mata a une régène infinie avec son reflux. Il a le torrent, il va pouvoir un peu se remettre en point de vie. Limite, je me dirais pour Ambition, alors limite, mais je sais que c'est pas commun, c'est pas ce qui se fait la plupart du temps, mais la gloire du juste sur Skarner. Exact, c'est une possibilité pour pouvoir engage de façon très très forte. Après, on a une karma, hein. c'est pas indispensable, mais si jamais on veut essayer de venir chercher tout ça, Xiaou qui prend un bon trade par Crown, il est passé à côté d'une game hier. À mon avis, il a à cœur de laver son honneur. Ouais, il est remonté, surtout qu'il était parti sur une énorme partie avec un Victor très très fort. Attention, justement, on continue. Crown, par contre, qui sacrifie toute sa mana pour mettre Shaul au life là où les crocs peuvent lui faire remonter quelques points de vie. Alors, on n'est pas en late game où le croc fait 800 HP de régène, mais on a justement Crown qui agresse, mais c'est au détriment de son mana. Il va falloir faire attention sur la prochaine phase de jeu, surtout qu'on a une Nidalee qui se dirige peut-être sur cette mid lane, à moins qu'on soit déjà dans le coup Counter Jungle, c'est plutôt le cas de MLXG. Ouais, il y va un peu à tâtons, il va tout de même aller voilà, counter au niveau du double Krug, peut-être après essayer de décaler un petit peu sur QV, il n'y a pas de kill à prendre, mais peut-être au moins un flash, ou alors tout simplement on va se rabattre sur la main. D'ailleurs, on a le Ryze qui est très avancé, du coup Ambition, qu'est-ce qu'il fait? Il vient couvrir. Attention, le trade, le stun qui est trouvé par QV, il n'aura pas la ligne de vue pour venir enchaîner qu'un shuriken, et ça y est, Ambition récupère sa jungle. Attention, il y a la vision, il n'a pas son cristal, donc il n'a pas l'avantage de son passif sur MLXG. Ouais, MLG qui fait reset ce buff Corbin, Ambition qui va devoir patienter pour le récupérer. Le Ryze surtout qui est complètement ouf mais qui ne peut pas venir aider son jungler. Et on patiente, on essaye de mettre des spears du côté de cette Nidalee, cette chasseresse bestiale qui cherche justement à atteindre sa cible. Le smite, là où Ambition était encore en cooldown, c'est bien vu. On a MLG qui vient de récupérer deux camps. Il fera pas de cadeau sur le top side. Il fera clairement pas de cadeau MLG, et il le montre à Ambition après Ambition. Voilà, c'est un jungler extrêmement expérimenté, même si c'est ses premiers Worlds. Il a parcouru un des plus vieux joueurs de cette scène coréenne, donc il en a vu passer des junglers, l'agression peut-être sur Uzi, le snare qui va passer, mais on arrive à 10 engage, on a du mana encore, on a de quoi sustain, on a encore les cookies même. Ouais, c'est vrai que on le voit, autant Jhin a été associé quelques fois à des Alistar où c'était pas forcément évident face de lane, mais là avec une karma, c'est très facile d'y appliquer des dégâts supplémentaires, de faire proc la floraison mortelle. Xiao qui prend une nouvelle fois le trade face à Crown, mais Crown tient très très
Flavien, il a récupéré sa larme de la DS et il a du coup un pool de mana suffisant pour pouvoir mener plusieurs phases d'agression maintenant face à Shao. Ouais, bah les deux de toute façon ont récupéré la larme. Hein. Alors après savoir quel jungler arrivera à amener le blue buff le plus rapidement possible, le gank sur Crown, attention MLG qui prend. Je me suis dit, est-ce qu'il pourrait pas même se retourner? Oh, le flash de Uzi, on flash in de la part de Ambition, on met l'exhaust, Uzi qui pourrait tomber, c'est le first blood qui est récupéré par les Samsung. Vindicatif sur cette bot lane, on a utilisé 3 des 4 summoners pour le décalage. Samsung. Il faut pas rester, il y a MLG qui arrive, il y a Xiaou, on a mis le ghost, la spear qui touche quand j'ai dit que MLG va venir le chercher, oui il y va, il se prend le stun, non MLG qui vient donner un kill, un deuxième kill à Ambition qui n'avait pas besoin de ça pour essayer de snowball les carry avec son Skarner. Dramatique, et c'est là qu'on retrouve les RNG qu'on a pu voir face à Edward Gaming, c'est-à-dire ils ont la capacité de plays mais aussi le throw potential est énorme pour cette équipe, et là on le voit, il s'est complètement... Il est allé beaucoup trop loin, le throw est massif sur ce move là. Uzi qui est le premier à tomber, les 4 summoners qui sont tombés du côté des RNG, Mata qui se sauve, et là on a l'arrivée mais que niveau 5 de Shao, pas de regard de la méduse pour ralentir cette équipe. Oh, mais la spear est énorme, mais force, là le heal, il restait heal pour Ruler qui n'avait pas été fait tomber. Je pense que MLG il serait pas allé s'il a vu cette info. Tout à fait. À mon avis, il y a eu une petite erreur de communication et ils ont pas signalé cette présence de heal sur Ruler et ils se sont fait bait. Et qui c'est qui récupère ces deux kills? C'est Ambition qui se met très très bien dans ce temps de jeu. On a un Kaggle d'avance pour les joueurs coréens et il va pouvoir lui avancer dans sa partie. Alors est-ce qu'il a fait son back? Pas encore je pense. Il a pris le tracker et les bots. On va voir sur quoi il va partir sur le deuxième temps. Mais il va être bien en avance par rapport à Nidalee, c'est une très très mauvaise nouvelle pour quand RNG. Autant en avance, tu peux te permettre de partir sur un soft un peu offensif. Et c'est ce que font certaines Rek'Sai, alors même si l'itimisation était bonne de base avec le Tiamat, mais généralement une Rek'Sai qui prend des kills très early, elle part Warrior très très vite, ou Tiamat très très vite, et elle va essayer de snowball un petit peu, donc pourquoi pas pour Ambition. En tout cas, il vient de récupérer son niveau 6, on a Looper assez avancé sur la top lane, on a un Flash, on a Maelstrom. Sens-tu cette petite odeur tout de gank? Tout à fait, effectivement, et heureusement il y a une bonne ping pour Looper. Ou pas. Ambition peut aussi essayer aussi d'aller rush ses bots rang 2 pour pouvoir très rapidement aller chercher un des mid lane, un des solo laners des RNG. Surtout qu'en combinaison avec un flash de Crown, ça peut aller très très vite le lock. Une Ambition qui a décidé finalement de ne pas passer sur cette top lane. On n'a pas envie de gank et de se faire chaparder le blue buff. On a cruellement besoin de Crown pour tenir sa phase de lane. Bon, en tout cas, ça se passe bien au mid pour les deux mid laners d'ailleurs. Pas trop de différence de farm. Ruler souffre un tout petit peu toujours sous la pression de Uzi et Mata. Mais bon, le double assist tout de même qui fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que sur cette top lane. Nous, on a les 10 creeps d'avance pour QV presque avec ce Kennen qui est parti sur un revolver pour compléter une proto belt a priori pendant que Looper. Lui est parti sur cet X-Drinker. Évidemment, Looper a besoin de résistance magique face aux deux solo laners Samsung. Et pas de mana mune. Et effectivement, pas de mana mune. On part directement sur. Alors que ce soit Malmortus, le rappel de Rideau sur Uzi. Bon, c'est juste pour faire peur. Parce qu'il y a MLG de toute façon qui est dans le coin. Ils ont la vision. Il n'y avait pas Ambition. Mais donc, oui, tout de suite. Alors qu'ils fassent Yumu ou qu'ils finissent Malmortus, a priori. Il partira pas sur la lame de la DS. Non, alors effectivement, on va retrouver une nouvelle fois un Jace, non pas POC, mais plutôt Bruiser AD. Burst, ouais. Burst avec une capacité à rentrer dans la mêlée. Encore faut-il pouvoir en sortir. MLXG l'a tenté de rentrer dans la mêlée, mais c'était sous tourelle. Et c'était sans compter le heal de Ruler. QSS pour Xiaou. Ah, ça, c'est une grosse possibilité. Hein. Il c'est un joueur qui aime le faire assez tôt pour pouvoir se sortir de la. Bah de l'étreinte de Crown ou de celle de Ambition. Et d'Ambition surtout. Après, il n'y a pas la pointe du néant, mais comme on a pu le voir dans d'autres games, il pourrait décider de prendre l'abyssal contre le double AP. Ou c'est une possibilité. QSS, c'est vraiment le choix de la sécurité. Ça le ralentit un petit peu en son itemisation. Le dragon infernal va être récupéré par MLXG en sneaky. Effectivement, bien vu de la part des RNG. C'est vrai que c'est une des capacités quand même à MLXG, c'est que malgré... Alors il en a concédé parfois des kills en étant un peu trop agressif. C'est déjà vu hein, du côté RNG, ils savent jouer aussi un peu derrière quand ils ont été trop agressifs. Mais surtout, il n'y a pas de... C'est never give up, c'est effectivement du côté d'MLXG, on va jusqu'au bout, on tente quand même des agressions, même si on est un peu derrière comme on le voit maintenant. Le Warrior qui est complété par Ambition.
Et donc ce dragon infernal sécurisé, on va repartir sur la bot lane. Les Samsung ont réussi à remonter un petit peu au niveau du farming. Voilà, ça y est, on a passé peut-être le moment un petit peu le plus dur. On va avancer dans le medium. On est qu'à 10 minutes de jeu, je m'avance un petit peu. On a encore le temps pour Audi et Menik G qui défend sa jungle, qui défend même les cristaux de sa jungle. Ambition, pas d'incursion pour lui malgré son 2-0, donc c'est bien le Warrior qui a été fait. Par contre derrière, du tanking. Et on le voit d'ailleurs, le plan de vision du côté des RNG est bien plus en place que celui des Samsung. Par contre, on voit les trois pinks juste derrière, là, entre la bot lane et la mid lane, pour pouvoir sécuriser toutes les entrées d'ambition. D'ailleurs, il est vu le jungler des Samsung. Et du côté de la top lane, on a également mis une pink qui sécurise bien Looper sur cette top lane. Mais LXG qui fait son passage et qui va justement donner un peu de vision supplémentaire. C'est le décalage d'ambition, la WAC a été supprimée. Et ils vont pas décider d'y aller, ils sont trop deep. Il y a un back en plus de Crown au même moment. Donc c'est pas le moment de prendre justement de tels risques. Et on va disengage, on garde le contrôle pour les Royal Never Give Up. Ça joue prudent, les Royal Never Give Up de toute façon. Là avec une Caitlyn et une Cassio, il y a un moment où ils vont reculer un petit peu, ils vont défendre, ils vont attendre de scale. Ouais, tout à fait, et ça c'est pas dans les habitudes des RNG, mais ils savent également de temps en temps se mettre un peu en retrait. On va voir ce qu'ils concèdent, parce que c'est toujours ce genre de jeu où justement les Samsung, eux, doivent avancer sur ce temps de jeu. On voit Korji qui a récupéré son niveau 6, qui va mettre quelques Mantra Q-Spell sur Mata, mais Mata avec son reflux devrait garder un haut niveau de point de vie. Crown qui a tenté... Qu'attend-elle décalage. Le décalage. Il récupère un peu de vision aussi. Looper impeccable. Il a la bougeotte, hein, il a la bougeotte Crown, il a envie d'aider son équipe. Mais déjà, en tout cas, c'est un bien meilleur visage que celui qui nous a été offert hier par les Samsung. Hein. Ça me rassure de me dire, bon, pareil, il y a pas mal de joueurs dans cette équipe Samsung qui n'ont jamais connu les Worlds, qui n'ont jamais connu la scène inter. Tout quasiment tous d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, là où Looper est un habitué, Uzi également, Mata également, par contre Shao et MLXG un peu moins. MLXG parce que c'est un très jeune jungler chinois qui a fait ses preuves sur la LPL et qui maintenant a rejoint les RNG et fait une superbe saison. Il a impressionné Clear Love qui l'a félicité à plusieurs reprises. Et le groupe qui sera sécurisé d'ailleurs, prochain dragon, dragon des nuages, petit temps d'accalmie. Les Samsung n'ont pas envie de venir s'empaler. On a dit 20-25 minutes, le timing de puissance des Samsung selon leur early game. Pour l'instant, il n'y a aucune raison, on est même trop tranquille. On est encore dans un temps sur des lignes fortes pour Real Never Give Up. Et le problème, c'est qu'on a pris tellement un get back qu'on la joue ultra défensive. Alors qu'en plus on a un bon map control autour de la mid lane, il y a les pink wards. Je veux voir MLXG partir à l'agression. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment peur de la sanction ambition parce qu'il a ses deux kills. Il a maintenant il a ses bots rang 2, ce qui lui permet d'arriver très vite. Oui, oh, l'ambition ouais. Trinité. Et il oui. Est là. Ça a l'air de partir là-dessus, effectivement. La seule fois où je l'ai vu le jouer donc pendant le Gauntlet, le Gauntlet, en finale du Gauntlet, il avait sorti un Skarner assez tôt, finalement, mais il avait joué Warrior Trinité. Et ça pourrait être justement une tendance qui se confirmerait, on va voir, là, à l'avènement de ces 15 minutes et du nouveau dragon qui va pas tarder à arriver, un dragon des airs, cette fois après le dragon infernal récupéré par les RNG. On va avancer en même temps sur la mid lane pour Crown, sur son séculaire, voilà. Et la QSS, attends qu'il se stack tranquillement, bien la QSS, donc on a fait le choix défensif en même temps, sinon il sait que c'est pour lui en permanence. Si un Xiao ambition, il aura aucun scrupule à faire un gros rush avec un speed boost de karma, un flash in, un remorqueur. Et après avec le burst cumulé par Crown et par QV, il y aura quelque chose à faire. D'ailleurs, notons-le, RNG, pas de fatigue. Le go-in, le tsunami de Mata qui touche deux joueurs. Le flash out de Ruler, l'aspire qui sera joué, mais même le heal. L'anti-dash, Ruler est condamné. Et ce sera le kill pour Looper sur une gate. Et oui, on a 1 minute 17 de l'arrivée du nouveau dragon. On va pas en profiter donc pour pouvoir le récupérer. Par contre, on va peut-être push sur cette bot lane afin de récupérer la première tour. Kennen, lui, est en train, sur la top lane, de faire de même, essayer de gratter cette tourelle. Looper a utilisé sa TP. C'est
C'est beaucoup de choses quand même utilisées par RNG pour venir à bout de Ruler. Bah on va compenser, si on prend le first blood de tour, c'est parfaitement justifié. Et j'ai bien l'impression que ça va être le cas. Et les Samsung ont peut-être pas le point. Xiao qui va se remorquer, l'arrivée de Crown avec RGG. Xiao qui s'est un petit peu emballé, Xiao. La fatigue, le flashing de Crown. On dépense pas mal de sorts, mais derrière, pareil, on va essayer d'enchaîner un petit peu sur cette T1. Le wave clear au rappel de Rideau sur MLXG, mais c'est heal. Et on va peut-être perdre T1 et T2 contre eux, par contre. Détour, la game s'emballe, ça y est, Croc. Tout à fait, ça c'est classique RNG, c'est-à-dire que. Et on a vu la MLG. Attention, on va reprendre d'abord avec ce teamfight qui pourrait arriver. On va chercher Ruler une nouvelle fois, alors qu'on est en train de refermer les taux du côté Samsung, avec Yuvi qui arrive. La Karma également. Est-ce qu'on va se retourner sur les RNG alors qu'on a plus de carry? Il y a le Maelstrom, il va y aller. Et il y a pas de fatigue contre QV. Fin QV qui met les gars monstrueux. Attention, on dit qu'il est vivant. Il faut finir cette année carry. C'est du 3 contre 3. Ambition qui essaie de tanker. Ambition Kello, les shields qui vont marcher. Il reste Crown. On va essayer d'avancer. Corjiji n'a plus de mana pour mettre un speed boost à son mid laner. Mata la bulle. Ce sera Juke, mais ça va permettre de disengage. Ruler, quelle erreur de se faire avoir. Là, c'était facile. C'était donné. Il pouvait oblitérer les Royal Never Give Up sur ce move. On va le revoir d'ailleurs. QV qui va mettre son ulti sur Looper puis Uzi. Avec le reflux, on va pouvoir tenir Uzi un tout petit peu plus longtemps, ce qui va lui permettre de mettre des dégâts supplémentaires. Ambition va réussir à s'en sortir grâce au Mantra Shield. Non, juste au, oui, c'est ça, juste à l'exaltation de Corjiji. Le travail de tanking de Looper qui vient deny Crown, le bump, se mettre devant pour protéger Uzi des potentiels Q-spells justement de ce Rise. Extrêmement bien joué et surtout on en revient à Ruler qui se fait avoir là-dessus. Qu'est-ce que c'est dommage. Pareil, Ambition, je pense qu'ils ont un peu surestimé les dégâts. Et Ambition qui a pas trop focus Uzi en se disant il va mourir dans la foulée. Tout à fait. Et on a bien vu Ruler qui mettait son rappel le rideau pour pouvoir dépush la vague de creep. Mais au final, très bien vu de la part de MLXG qui s'est mis devant pour pouvoir arrêter la balle et donc continuer à push avec les creeps. D'une part, ça leur permet d'avoir une tankiness de la part des creeps, mais aussi ça réduit les résistances de la tour, ce qui leur a permis de la récupérer très facilement. Donc on est à deux tours partout, mais on est sur une tour mid lane, une tour bot lane pour Samsung, là où les RNG ont pris les deux tours sur la bot lane. Et on va pouvoir mettre des grosses phases de push, là, ça va libérer un petit peu Uzi, ouais. Et on le connaît, hein, ça veut dire que Uzi va arriver, il va se récupérer tout son farm en bot lane, c'est le moment. Il va prendre tout le farm de Xiao sur la mid lane, qui va devoir se débrouiller pour récupérer les miettes. C'est ce qui se passe, effectivement, et d'ailleurs ça se voit au niveau du farm. On a un Uzi devant face à Ruler, mais par contre Crown a l'avantage face à Xiao. C'est la spéciale Uzi. Ouais. C'est à partir du moment où la tour en face de lui est tombée, il récupère le farm sur deux lignes. Il y a même une game où Xiao a dû jouer avec un AP sur abatteur. C'est dire parfois ce qui se passe dans les games RNG où on veut mettre Uzi tellement sur la bonne pente. Mais ça marche, ça fonctionne du côté RNG. Et on va maintenant essayer d'emballer la partie, c'est un timing sur lequel ils sont confiants. Les Royal Never Give Up Les Royal Never Give Up non, oh, plutôt non, les Samsung. Ouais, je me disais, on arrive à 20 minutes de jeu, on a une Caitlyn avec un Runan et une BF, on a une Cassio avec une QSS c'est pas le bon et moment. Une tir. Ouais, ça me paraît chaud, effectivement. Par contre, les Samsung c'est parfait pour on eux. Commence tranquillement à y arriver. On prend d'ailleurs la troisième tourelle de la partie. Bah sur le timing Trinité d'Ambition, avec peut-être un timing bâton du vide pour QV. Regarde la Méduse, il va y aller. Le Maelstrom, il y a beaucoup de monde, ils sont à 3 sur la top lane. Ouais, ils avancent grâce à cette range finalement qui ne permet pas au Maelstrom de connecter sur plusieurs joueurs. Il est obligé de se rapprocher avec son Kennen là où Looper et Xiao peuvent rester à distance avec leur champion. Non, c'est en plus avec l'anti-dash, QV, quand bien même il aurait eu un flash, il aurait eu du mal à venir essayer de récupérer du kill. Mais en fait, c'est bien, les Never Give Up, ils profitent d'un timing de back des Samsung. Donc les Samsung, non seulement ils concèdent un kill et une tour, avec une supériorité en nombre des Royal Never Give Up. Oulala, Mata. Le pick-up sur Mata. Que fais-tu là, Mata? Tu vas te faire avoir par Ambition et par Ruler. C'est Ruler d'ailleurs qui récupère ce kill, qui va pouvoir lui permettre d'avancer sur son deuxième item. A priori, un Dractar incoming. Oui, ouais, bon, classique. Et donc, pour finir avec tout à l'heure, donc voilà, et ils ont en fait pris le meilleur timing où Samsung, quoi qu'il se passe, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas compenser, ils ne peuvent pas mettre de pression au mid ou en bot lane ou même sur un objectif neutre. Donc tout bénef, et ça leur permet, les Never Give Up, de coller un peu au niveau des golds. Tout à fait, c'est là la différence entre
kill pour kill ou kill pour objectif, et c'est ce qui s'est passé là pour RNG. On kill sur la top lane, et bien on prend la tour. On a kill sur la bot lane, on prend deux tours. Et pour l'instant ça fonctionne bien, mais du côté Samsung la réaction est bonne et on est toujours un cas devant presque. Ils ont très très bien bossé Royal Never Give Up, hein. Quand on pense au playoff où il y avait 20 kills de chaque côté et ils prennent la T1 mid à 40 minutes de jeu, tu te dis bon d'accord. Où uniquement ils commencent à prendre des objectifs uniquement parce que le temps de respawn est très long. Et en plus de la gifle qu'a mis Edward Gaming sur RNG en prenant 3-0, ils ont eu du mal parce que sur ces playoffs, ils ont quand même fait un 3-2 en demi-finale. Face, c'était au IMA, il me semble. Ouais, mais ouais. Et les IMA leur ont donné du fil à retordre. Et c'est vrai que les RNG ont énormément bossé, mais la gifle infligée par Edward Gaming les a... fait vraiment prendre conscience qu'ils avaient besoin de step up s'ils voulaient arriver pour les wards prêts. Bon, par contre QV qui utilise sa proto belt, il a pas conscience de Looper qui est là. Et il va back. Que Looper peut prendre le trait. Il y a Cassio qui arrive. Il y a Cassio qui arrive. Il y a Crown qui n'est pas trop loin. Rush foudroyant. On se retourne avec le Maelstrom. Il a attendu un face check. Il se dit Looper va me face check. Mais il y a la ward qui a été posée intelligemment. Et on va disengage le ghost même qui est craqué par Crown. Bon, ça fait quelques cooldowns pas les plus importants. Pas ceux qui mettent le plus de temps à revenir, mais ça fait perdre du temps. Effectivement, et attention, alors Uzi est pas sur un pic sur lequel on peut rapidement faire le Nashor, mais par contre Shao lui l'est avec cette Cassio. Il faut faire très attention au move bot lane où on rassemble deux joueurs Samsung parce que la réaction RNG elle ne se fera pas attendre. Vous pourrez voir les pings sur la map du tacticien Mata qui n'hésitera pas à ping pour ses alliés le fait qu'un Nashor est disponible. Après en plus alors il y a Cassio, c'est vrai que ça démonte un Nashor. Et maintenant on a les deux items sur Uzi, on vient de finir la lame d'infini. Ouais, il manque un troisième. De toute façon RNG ça va attendre idéalement RNG ça attend les 30 minutes de jeu flash out de MLXG. Et idéalement la Samsung Trinité Warrior sur Ambition. Bientôt le Draktar sur le timing Draktar de rouleur. On a le timing abyssal. On a le bâton du vide sur QV. Je pense que dès qu'on va avoir le Maelstrom de up sur QV, ça va être le début des hostilités de Samsung. Les Samsung, ils vont devoir accélérer dans les 3 prochaines minutes. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que là, les RNG, ils doivent prendre conscience du fait qu'il leur reste plus beaucoup de temps parce que QV retrouve son Maelstrom très bientôt. Il a son flash, il a sa TP également. Et il faut absolument préserver la jungle RNG si on ne veut pas sombrer justement et perdre des objectifs et peut-être des compagnons de route. Ambition, effectivement, avec cette Triforce, il fait bien peur là. Il fait trop mal, voilà. Il fait trop peur. En plus, il y a une Karma, donc il y a du shield. Il va pouvoir tanker. Naturellement, ça reste un tank, hein, Skarner. On a un dragon qui arrive en 30 secondes. Je pense que les Royal Never Give Up ne devraient pas le forcer. Alors, ils ont un peu de POC. Ils peuvent essayer de POC et de voir si ça touche d'engage et de contester. Mais si jamais on n'est pas dans les bonnes conditions, faut pas forcer. Faut faire le dos rond. On a déjà eu un premier dragon infernal. Ouais, même si le prochain est un infernal et qu'on aurait adoré l'avoir, c'est pas la peine de jeter une partie. En plus, Samsung arrive à mettre une bonne pression au mid. Et donc, forcément, voilà, tu mets la pression au mid, tu décales, tu mets la pression au mid, tu décales. Et c'est vrai qu'on pourrait même, du côté RNG, abuser de ce Drake pour aller récupérer un bout de la T2 sur la top lane. Je suis étonné de ne pas voir Looper déjà en position top lane. C'est-à-dire que les RNG se sentent confiants à l'idée de le défendre. Par contre, c'est vrai que si ça touche, effectivement, c'est ça bien. Fait mal. Oh, et ça touche Looper, la gate. Bon, le dragon infernal qui est pris. Voilà, les Royal Never Give Up n'ont pas forcé. Il faut refuser la position là du côté RNG. Il faut se mettre en place. Voilà, l'énorme vision prise sur le côté droit du côté RNG pour refuser l'accès au Samsung. Ambition, la QSS qui a été claquée avec QV. Il n'y a pas de fatigue. Le rappel de rideau sur Mata, sur MNXG. Looper le disengage. Crown va finir. Mais oui, les Royal Never Give Up, c'était pas le bon timing. Samsung, à ce moment-là de la partie, ils sont bouillants. Et le camouflet là, mis la petite gifle mise par les Samsung prenant 4 kills. On refuse l'accès, mais non, parce que les RNG n'étaient pas suffisamment préparés à l'arrivée de QV et d'Ambition. L'un et l'autre ont permis de set up un teamfight parfait. Crown n'a eu qu'à dérouler dans ses spells. Et Ruler également, le Nashor récupéré. Cette game, c'est l'exemple typique, c'est le parfait cas d'école. Je joue contre Samsung. Voilà, on attend le pic de puissance et derrière le travail de QV. Rouleur inattaquable qui est tranquille pour mettre un ulti. Crown. Et Crown au milieu de free DPS. Impressionnant, là on le voit, c'est vraiment le jeu stratégique. Et la bonne mise en place, ils ont patienté hein, finalement les Samsung, ils ont accepté de prendre du POC.
pour pouvoir recevoir pour c'est ça, c'est recevoir pour mieux rendre. Ah ouais, là ah, ils aiment rendre l'appareil hein. Et là bon ben normalement avec le buff Nashor 25 minutes de jeu, on va aller charger les T2. On a une compo qui peut parfaitement dive. Et voilà les dégâts de QV. QV il aime bien cette optimisation très agressive avec le bâton du vide rapidement dans la partie. Et on est obligé du côté Uzi de prendre une QSS supplémentaire pour pouvoir essayer d'éviter tous les stuns disponibles par les Samsung. Mata ne peut pas à ce moment de la partie faire un creuset de Mikael. Ce serait beaucoup trop tôt. Et il est obligé de partir plutôt sur un Égide de Légion pour réduire en AOE les dégâts magiques de cette équipe Samsung. 3-0-0 pour le Rise de le pick-up sur Xiaou. Ouais, là c'est la débandade, la TP de Looper qui est cancel sur cette mid lane. Qui va tomber pendant ce temps-là. QV contre Looper sur la top lane. Est-ce qu'ils vont tomber face à face? Je crois qu'il ne l'a pas vu. La Maelstrom, il y a des dégâts sur QV. Est-ce qu'il y en a assez pour Looper? Non, il y a la Malmortus. Ouais, Looper qui a arrêté sa TP sur la mid lane pour pouvoir prendre son kill finalement en 1v1. Mais par contre, il va falloir se sortir de l'étau qui se referme avec justement you ce Scorpion. The Almighty Scarner qui arrive à pleine vitesse pour récupérer son quatrième kill, 4-0-6. On est sur un Ambition qui a retrouvé ses marques, mon cher Noah. Ah ben oui, non mais là voilà, c'est vraiment, si les gens ne regardaient pas trop, les spectateurs ne regardaient pas trop la LCK, ne savaient pas trop quoi penser de Samsung, c'est vraiment Samsung, ce qui les définit le mieux, c'est la partie qu'ils sont en train de mener. C'est propre, c'est sans vraiment bavure, avec une compo pick-up. On attend le pic de puissance et j'ai l'impression que quasiment, alors sauf Crown peut-être, on aurait pu mettre un Victor, mais quasiment chaque joueur est sur un pic signature. Ouais, et c'est vrai que même Matal disait, hein, les Coréens sont vraiment forts dans ces Worlds une nouvelle fois, ils répondent présent. Et là, il le voit, Ambition. Il vient chercher, voilà. Il a un ulti, Ambition. 1v2 derrière, effectivement, il y a QV qui va arriver. Ambition, le piège de Uzi, et il n'arrivera pas à prendre le kill. Il avait son ulti, où il vient de le récupérer, il lui manquait une demi-seconde. Il lui manquait peut-être une demi-seconde, il voulait peut-être que faire peur et craquer des summoners, mais finalement, les NG vont reculer simplement. On va essayer d'aller gratter maintenant. Eh bien, toute la jungle adverse, c'est la course aux ressources du côté des RNG. On n'en a plus beaucoup à se mettre sous la dent parce que les Samsung asphyxient complètement leurs adversaires. On va avoir un powerplay à 4700 gold. Parfait. Avant la fin justement de ce timing, on prend la troisième tour T2. Voilà, 5400 gold pour un Nashor. Parfait. Pas parier contre les Coréens. Ouais, je l'ai fait. Et je m'en mords les doigts dans mon pronostic. C'est bon, j'ai fait mon pari sur Samsung, je suis très content. Mais ce n'est pas fini. Tout à fait. Si Royal Never Give Up arrive à bloquer cette partie, alors ça va pas être facile, mais imaginons qu'ils y arrivent. On a le scaling d'une Caitlyn, on a le scaling d'une Cassio, on a une très bonne équipe, on a un peu de wave clear tout de même, on a du POC, donc on a un petit quelque chose à faire. Même si Samsung bénéficie d'une très très large avance, avec ça y est, 3 items sur Crown, le Seraph interminé, Abyssal, séculaire, il est très dur à tuer. QV un peu plus tanky avec un Raleigh, donc en plus on rajoute un petit potentiel de contrôle. Bref, ouais, et presque 3000 gold d'avance entre Crown et Xiaou, c'est énorme la différence de gold là entre les deux mid laners. Ça joue aussi du fait que Uzi est allé récupérer beaucoup de farm sur cette mid lane au détriment du mid laner des chinois Xiaou, qui justement là a un peu de mal. En plus le passage par la QSS, ça réduit encore sa capacité à avoir des dégâts. Ambition, hein, 20% des dégâts de son équipe hein. Pour un jungler, c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux, 4-0-6. Habituellement 18 à 19% pour la plupart des junglers, toutes régions confondues. Plus de 20% là pour Ambition. En même temps, ce passage Triforce qui aide bien. Le doublé au début, Warrior Triforce, effectivement, ça fait le boulot. Ouais, ça fait partie des joueurs qui sait justement bien snowball dès qu'il récupère un kill. C'est la punition sur toute la game finalement. C'est pas une punition sur le long terme. On prend ce kill et on le transforme. Et le deuxième dragon infernal des Samsung, ça fera le troisième dans cette partie. Bon, les Royal Never Give Up ne peuvent que le regarder passer. On a un Nashor, 2 minutes. Il n'y a rien qui peut bloquer Ambition avec ce passage sur la Banshee. La Banshee qui va lui permettre d'arriver tête baissée dans l'ulti de Cassiopeia. L'étreinte de
de ce serpent ne suffira pas parce que la Banshee devrait en tout cas le protéger. Bon après il y a du POC, oui, il y a du POC, effectivement. S'il arrive sans se prendre un sort jusqu'à Xiaou, il y a un truc qui a été mal fait par Never Give Up, mais ça lui rajoute tout de même tankiness, résistance, magie, donc effectivement il va pouvoir faire un peu de focus, sachant que Uzi n'est pas encore prêt, il lui manque toujours la fin de son troisième item, sachant qu'il a dû ralentir à cause de la QSS. Et il est parti plaque du mort d'ailleurs Ambition pour aller toujours plus vite sur sa cible. C'est le choix qui va être fait par le jungler coréen de cette équipe Samsung. On a un Zhonya qui approche du côté de MLXG pour pouvoir temporiser le teamfight Samsung. Et Looper, lui, qui a fini sa Yumu et qui avance sur un coup près noir tardif. 30 minutes de jeu. Après, Looper qui fait du bon boulot. Hein. Depuis le début, il arrive en fait à bien gêner QV. Avec justement cette Malmortus, ses bottes de mercure, un peu de résistance magie, un peu d'anti-CC. Et QV n'arrive pas forcément à faire le split qu'il pourrait. Voilà, il est très bien limité. Et là, il y a le Nashor qui va repop, Samsung reprend la vision dans cette river. On veut pousser les Royal Never Give Up à la faute. Ouais, on voit une entrée de Core GG pour l'instant parfaite dans le dispositif Samsung qui avait fait appel à deux reprises à Race là. On a l'impression de ne pas avoir la même équipe avec qui. Tout à fait. Hein. Ouais. Core GG qui fait une super entrée en matière. Il est à chaque fois présent pour Ambition. D'ailleurs, il va se retourner dans ce couloir. Ambition qui se fait full control. Ambition qui tombe. MLG qui a temporisé. Oh, QV encore une fois. Et il n'y a jamais de fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas prise, les Royal Never Give Up. Et, oui. Et donc à chaque fois qu'ils rentrent, c'est un massacre. Crown, le flash-in, le Q-spell. On prend le 2 pour 1. Et on va essayer de faire la rotation sur cette bot lane. Et ouais, là ils peuvent. Ou même pas directement au mid. Sur cette mid lane, ils peuvent s'en mordre les doigts un peu. C'est RNG de ne pas avoir pris cette fatigue. Effectivement, elle manque dans le dispositif face à une double AP qui fait très très mal, surtout en AOE. On a la super bulle de Mata. La tour tombe. QV va survivre grâce au shield de Core GG. Oh, les dégâts de Ruler avec l'explosion sur le Draktar. On va avancer sur le premier inhibiteur de la partie et peut-être d'aller finir la partie. On a encore 2 secondes. Ça paraît compliqué. MLXG qui revient. Ça paraît compliqué. On met les shields. Le juke de la bulle. MLXG effectivement qui est là. La spear qui touche. Ça va être compliqué de venir chercher cette deuxième tour. Il y a un peu de creep. Il y a Looper qui revient. Dans 5 secondes. On va chercher MLXG. Ça va être la game. Ils peuvent le faire. Croc. Les 32 minutes de jeu qui pourraient suffire. On a les gros dégâts. Looper qui vient pour essayer de finir. Non. Cette partie, quelle énorme Samsung, game. Voilà. Quand Samsung est chaud, ça donne à peu près ça. Monstrueuse game des Samsung. Rien à dire, irréprochable. Et les Samsung rentrent complètement dans leur world avec ce match coup près, ce match test face à l'équipe chinoise qui était en 2-0, qui gagne contre TSM, qui gagne contre Splice. Et là, on met un coup d'arrêt à cette équipe. Finalement, les Samsung vont s'imposer. Et l'arrivée de Core GG fait du bien. Le dispositif est bien en place. Ambition qui transforme ces deux kills en un monstre. Et un monstre qui fait très très peur aux joueurs chinois. Ah non, c'est... Bon, ça me fait plaisir parce que j'étais vraiment désappointé par leur performance hier. C'était une équipe avec beaucoup de genoux qui n'est jamais mis à pied en compète et il faut le temps de s'adapter. Là, Uzi, forcément pas spécialement content, il avait commencé sur une bonne phase de lane, Uzi, avec sa Caitlyn Nami. Il a laissé sa bouteille d'eau ouverte. Merci, Ruler. On en met partout. Mais très très belle victoire, très clean. On voit pas du tout le même visage du Ryze qu'on a pu voir plus tôt du côté de Baemi. Là, le Ryze de Crown, il est sans appel à chaque fois le déplacement. Alors, on l'utilise bien pour contrôler la lane. Finalement, on tient cette Cassiopeia. On prend même des creeps d'avance. Et surtout, on transforme l'essai en proposant en fait une menace supplémentaire là où il y avait déjà Ambition et QV qui fait un taf formidable aussi avec son Kennen. Ses entrées dans les teamfights à chaque fois ont été percutantes. Tout à fait, Croc. Et du coup, ça signe la fin de cette troisième nuit de Worlds. Oui. Avant de vous laisser tout de même, on va laisser la parole au plateau d'analyse avec Bully. Merci beaucoup, Noah. Ça fait super plaisir de voir Samsung enfin se réveiller. Ils avaient une compo qui mettait pas mal de temps à se mettre en place. C'était vraiment autour de 20-25 minutes de jeu qu'on allait voir justement qui pourrait ressortir. Et ils ont attendu leur timing et l'ont vraiment mis à profit. Il y a plusieurs points.
à retenir, je pense, de cette game. Le premier, c'est ce rush de MLXG sous la tour, en fait, qui donne un kill à un Skarner. Genre ça, c'est, enfin, Skarner, c'est quand même le choléra, quoi. Une fois que ça a pris deux kills, j'irais pas dire que c'est cassa d'un tiers, mais presque, parce qu'une fois que ça devient tanky et que ça fait des dégâts, 20% hein, des dommages de l'équipe pour ambition, hein, quasiment à la fin de la partie, c'est monstrueux. Là voilà, ce go-in de MLXG qui va casser en fait toute la stratégie qui avait été mise en place en fait par Mata. C'était une jungle agressive avec un roaming. C'est pour ça qu'Uzi, en fait, à la place de Lucian, qui est plus fort en trade, était parti sur une Kate pour avoir plus d'indépendance. Et ça devait en fait essayer d'agresser ce Skarner qui généralement a un early difficile. À partir du moment où en fait MLXG se commit et suicide, ça devient très compliqué. L'autre erreur massive de la part des RNG, c'est de ne pas avoir pris de fatigue contre un Kennen. Ça, c'est un peu le 101 hein, quand on joue contre un Kennen. Et simplement, ces deux paramètres-là ont fait que les Samsung avaient, comment dire, pouvaient saisir des opportunités. Et à un moment donné, où il y a cette sanction, il y a cette ulti de QV en fait, dans la mêlée qui vraiment détruit derrière le baron. Et en fait, dans ces Worlds, ce qu'on voit, c'est que l'équipe, généralement, qui prend le premier baron, qui fait le break, si elle n'est pas européenne, généralement, elle termine, ou taïwanaise, elle termine sa partie. Et donc, à partir de là, de toute façon, c'est pas possible de revenir, en tout cas pas avec une Caitlyn pour Uzi. Et la game s'est jouée comme ça, mais les équipes ont des niveaux assez proches, je pense quand même. Après, d'un autre côté, je trouve que la compo RNG, elle était pas mal. Il y avait pas mal de pots qu'ils auraient pu justement essayer dès le début de la partie de prendre avantage de leur composition. Finalement, ils l'ont pas fait. Ils ont choisi de jouer un peu trop en retrait. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, ça s'est... Bah, c'est là où a été vraiment la grande force pour moi des Samsung. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avance sur Skarner qui a été prise très tôt, comme tu l'as dit. Et du coup, ils n'ont pas laissé du tout aucune opportunité au RNG de jouer le poke, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une mise en place potentiellement à 5, tu avais instantanément Ambition qui allait rush la mêlée. Et du coup, ils évitaient complètement ce côté, voilà, le Jace qui va commencer à être un peu relou, des choses comme ça. Et les Samsung ont été super intelligents. On a de l'avance, on vous rush dès qu'on vous voit. Point final. Non mais juste pour parler de ça, c'est vrai que la draft Poki en fait des RNG était intelligente. Encore une fois, tout était centré sur le fait qu'ils avaient réussi à sécuriser le pick Nidalee. Et la théorie en fait, c'est vraiment le pick de Caitlyn, c'est pour pouvoir la laisser seule et aller avec MLXG, faire la traditionnelle MLXG Mata pour aller essayer de mettre de la pression sur Skarner et le tuer. Avec Lignite en plus, pour vraiment... Après, je trouve que Mata n'a pas spécialement été convaincant sur cette partie. Mata, au niveau de la com, quand tu vois MLXG se jeter sur un heal, ça veut dire que Mata ne l'a pas com. Et ce genre de choses, bah, à ce niveau-là, ça passe pas. Donc, je pense que c'est vraiment une mauvaise perf des RNG. Et derrière, Samsung, qui libère son plein potentiel, c'est une équipe qui punit. C'est vraiment son noyau. Et bah, vu que TRNG n'était pas au top, là c'était un boulevard, je pense, pour les Samsung. Du coup, dans ce groupe D qui était déjà quand même assez compliqué, qu'est-ce qu'on peut espérer voir ressortir, étant donné que maintenant on a l'impression que Samsung se sont enfin réveillés? TSM RNG pour moi. Toujours? Ouais, toujours en fait. Malgré ce qu'on vient de voir. Beaucoup d'expérience et on ce côté de jeu très solide, vraiment, avec une possibilité de briller. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bjergsen était malade en plus, ce qui joue quand même un peu sur les performances. Et à côté de ça, les RNG, c'est vraiment du talent à l'état pur. Avec Mata du coup derrière qui peut tout lead. Effectivement, ça arrive comme ça qu'il y ait des fails, mais pour moi les Samsung, il faut que les adversaires fassent des erreurs pour les punir, et ils vont peut-être tomber face à des teams qui en feront très peu. On va dire que heureusement Splice Astro, sinon j'aurais dit avec assurance RNG et Samsung. Je pense que Samsung a un style de jeu beaucoup trop solide pour ne pas sortir de ses poules, parce que les équipes font des erreurs en face. Ils jouaient avec un remplaçant en plus aujourd'hui. Ouais, enfin, il n'y a pas vraiment de vrai remplaçant chez Samsung, puisque Core GG a les emmenés au Worlds, donc je pense pas qu'on puisse vraiment parler de remplaçant, c'est plus, on va dire, un autre profil de support. RNG peut jeter sa phase de poule et laisser la place à TSM. Maintenant, je pense que les deux équipes qui ont le plus de talent sont encore une fois les Asiatiques. L'Occident me déçoit beaucoup dans ces Worlds, donc j'aurais tendance à mettre une bille sur l'Asie et la Chine, sachant que pour moi, les quatre équipes plus en forme sont les trois coréennes plus RNG. Et du coup, cette troisième journée est enfin finie. J'aimerais bien, Rambo, s'il te plaît, si tu peux nous mettre le planning de demain. Super. Alors du coup, ça commencera une fois de plus à 1h du matin. On aura un AHQ contre INTZ, suivi de EDG contre H2K, Albus Nox contre G2, CLG contre ROX, SKT contre Flash Wolves et C9 contre Aimee. Qu'est-ce que vous avez hâte de voir demain ? Bah forcément, moi j'avais carrément mis le jeton avec Duke sur le EDG H2K pour voir Forgiven évoluer contre Devs. Je pense que ça, c'est une des affiches de la journée. G2 qui peut se faire surprendre par une wildcard. Ça, ce serait assez drôle de les voir perdre, mais ce serait quand même bien de les voir gagner de temps en temps. Et puis toujours, moi la question, elle n'est pas trop sur CLG Rox, elle est sur SKT. Est-ce qu'ils vont être encore aussi forts?
parce que bah, pour l'instant en fait j'ai l'impression que ces Worlds sont juste un pur no match en faveur des SKT, en tout cas si le niveau de jeu est maintenu de la part de Faker et consorts. Moi je vais pareil attendre EDG et H2K pour effectivement le duel des botlane qui va être pas mal et le C9 Aimé qui me paraît être finalement un match équilibré. Ça va pas être les matchs les plus beaux jeux qu'on puisse voir, mais en termes d'équilibre je pense que les deux teams se valent et ça va vraiment dépendre de la forme de C9. S'ils sont comme ce soir Meteos tiers, ça va être compliqué, mais s'ils sont dans leur forme on va dire vraiment fin de Summer Split, ça va être une game qui peut être intéressante. Les voyants galérer comme on les a vu galérer aujourd'hui, à mon avis demain Boosteos ça va être non ça va être compliqué même contre Aimé je pense. On verra demain, mais c'est vrai que bah, pour l'instant, ils n'ont rien montré. Quoi. Les Cloud9, ils ont l'air pas du tout prêts pour ces Worlds. Il y a le retour de Radiant Sol demain, si je ne m'abuse. Donc ça peut. Peut-être. Non, il a été annoncé. Hein. Ouais. Il était annoncé par Riot, comme quoi disponible. Ils avaient corrigé le truc de manière sûre. Donc on aura une partie avec deux phases de draft parce qu'il y a un bug graphique. Mais en tout cas, voilà, Radiant Sol peut être joué par Jensen, donc ça peut changer des choses. Après on verra, je pense. Et par oui, bien évidemment. Et donc du coup, on va vous laisser là pour ce soir. On vous laisse sur une interview d'Ambition. Je voudrais remercier tous nos partenaires Asus, Intel, Aloresto, Fnac et Twitch. Et merci à vous de nous avoir suivis toute la nuit. À demain, minuit pour le pré-show. Thank you very much, guys. Joined here on stage by Ambition after that first victory for Samsung. Congratulations. You guys were the underdogs coming in here. RNG has had some very spectacular games so far. How did you manage to win this game? 그 일단 이번 경기에 들어서면서 이제 삼성이 RNG에 비해 비교적 약체로 꼽히고 있었고 RNG는 아무래도 조선두를 달리고 있었는데 어떻게 경기에 임하셨는지 말씀해 주세요. 일단 저번 경기를 좀 저희가 실수를 많이 해가지고 졌다고 생각해서 저희가 실수를 줄이자라는 생각으로 그냥 열심히 했던 것 같고요. 뭐 집중만 할 수 있으면 저희가 이길 거라고 생각했어요. We thought that we lost last game against TSM because we made a lot of mistakes. So we focused on minimizing those mistakes. And we thought that as long as we focus, stay focused, and not make as many mistakes as we did against TSM, that we had a good chance to beat RNG. It also looks like you have a lot of success whenever you play Skarner. It was your lucky charm also in the regionals. And a lot more players seem to have been picking it up. Talk to me about Skarner in this meta, how important it is, and how important he seems to be for you specifically. 그 MBC 선수 스카너 픽으로 스카너 챔피언을 픽할 때마다 좋은 모습으로 승리를 거두셨는데 저희 그 한국에서나 여기에서나 그 당시에는 이제 MBC 선수가 거의 처음으로 스카너를 이번 메타에 들이셨는데 지금은 사실 많이 쓰이는 픽입니다. 그 스카너 챔피언이 어떤 챔피언이고 어떤 그러니까 어떻게 사용하겠고 지금 어떤 챔피언인지 말씀해 주세요. 그냥 쓸 때마다 좀 생각이 많이 달라지는 챔피언인 것 같아요. 어떨 때는 좋은 것 같기도 하고 어떨 때는 되게 안 좋은 것 같기도 하고 근데 어쨌든 그 궁인 워낙에 위협적인 그런 스킬이다 보니까 그냥 좀 심리적 부담이라든지 뭐 이런 것들을 되게 좀 많이 줄 수 있는 캐릭인 것 같아요. I think Skarner is a very, it could be good, it could be bad, but with his ult, it could really give a lot of pressure to the opponents. So in that way, I think it's a very good champion to play. Okay, it worked out here in Ambition. Of course, you have achieved so much in your career, but this is the very first time that you managed to make it to Worlds. How has the experience been so far, and how far do you think you can get with Samsung? 그 MBC 선수 지금까지 선수로서 정말 많은 것을 이뤘지만 롤드컵엔 처음 오게 되었습니다. 지금까지 어떤 경험을 하고 있고 어디까지 삼성 팀으로서 어디까지 진출할 수 있다고 받고 믿는지 말씀해 주세요. 저희가 경기를 되게 단판이 되게 오랜만이라서 그냥 좀 단판의 변수들이 좀 무섭긴 한데 만약에 저희가 그런 것들만 잘 이겨내서 극복한다면 저희는 한 4강 정도는 갈 수 있지 않을까 생각하고 있어요. Actually, we're not that used to best of one, so like there's so many things to consider in playing a best of one. So I think as long as we proceed to the quarterfinals by playing a good week next week, I think we can actually aim for the semifinals. Oh, wow. Big words there. Well, you have a win on the board and looked fantastic in this game. Congratulations, Ambition and Samsung pulling this game out and completely turning the group on its head. Analyst, let's take it away.